Il a fallu que je lui chante Pof le dragon magique 3 fois de suite avant qu'il accepte de s'endormir, mais il a fini par s'écrouler. C'est une nouvelle robe? Oui. Est-ce qu'elle te plaît? C'est très joli. Je suis tombée dessus par hasard après avoir déjeuné avec maman. Elle m'a semblé plutôt mignonne. Mais large. Oui. Tu me regardes avec un drôle d'air. Est-ce que c'est à cause de ce matin? Toutes les femmes enceintes sont extra-lucides. Donc j'ai raison. Je t'avoue qu'il m'est difficile de chercher à t'influencer, bien que je sache que c'est à toi qu'il appartient de refuser ou d'accepter ce test. Je sais. D'ailleurs, maman est de ton avis. Elle trouve que je dois faire une amniosynthèse. Malheureusement, j'ai du mal à être d'accord avec vous deux. Ennui de te contredire à ce sujet. Il n'y a pas de quoi, tu as le droit de ne pas être d'accord. J'aimerais que tu sois aussi sûr que je le suis, que le bébé se développe bien. Mais je suis sûr de beaucoup de choses. Je suis sûr qu'on s'aime et qu'on restera ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Je pense qu'on fondera sans doute une famille. Mais il y a un point d'interrogation concernant ta grossesse et que nous en parlions ou non. Il existe. Je dirais même qu'il m'obsède. Et je crois franchement que ça me soulagerait beaucoup de connaître la réponse. Je la connais, la réponse. Moi, pas. Je n'ai pas la même intuition que toi, de toute évidence. Et si tu en es tellement sûr, pourquoi refuser de subir ce test? Tu peux me croire, Eden. Je te demande de me croire. Même si c'est une mauvaise nouvelle, j'arriverai à le supporter. C'est de ne pas savoir qui m'est le plus pénible. Ça me fait peur. Ouais. Je suis tout à fait persuadée. Je t'assure que le bébé se développe comme il faut. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Mais si je subis ce test, eh bien, je risque de perdre confiance. Et n'importe quoi peut arriver. Tout ça n'est pas logique. Ça l'est pour moi. Ma chérie, la réponse, elle existe déjà. Tu ne peux pas le nier. C'est un fait biologique. Et ce n'est pas parce que tu subiras le test que ça changera quelque chose. C'est ce que ma mère m'a dit. Ah, et elle t'a dit quoi d'autre? Eh bien, elle trouve que je ne suis pas honnête vis-à-vis de toi. Que je ne suis pas honnête vis-à-vis de moi-même, ni du bébé. Ben, je crois, comme tout le monde, qu'il est important d'avoir confiance, mais il est encore plus important de placer cette confiance avec sagesse. Pourquoi ne pas la placer dans l'engagement que nous avons l'un envers l'autre et dans la certitude que notre amour est suffisamment fort pour résister à ce que nous pourrions découvrir? Il me faut encore un peu de temps, je crois. Mais on a combien de temps? Au-delà d'un certain délai, on n'a plus d'alternative. Oui, mais on n'en est pas encore là. Très bien. Prends tout le temps qu'il te faudra, chérie.